Bonjour les tricopines. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et vous expliquer comment tricoter le point accordéon. Donc c'est celui-ci, regardez les tricopines. C'est un point, regardez, avec des reliefs, comme vous pouvez le voir ici. Et ça, moi je l'appelle le point accordéon, regardez. Hop, vous pouvez regarder comme un accordéon, ça se plie comme ceci, regardez, et hop, on peut l'ouvrir. Donc, ce point, les tricopines, contrairement à ce que vous pouvez penser en le voyant comme ceci, est vraiment très, très simple à tricoter. Ça va, c'est un peu comme le point plissé, ce sont juste des jeux de mailles, des mailles que nous allons tricoter à l'endroit, à l'envers, c'est tout. C'est aussi simple que ça, accessible à tout le monde, les tricopines. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce point, faire des couvertures, des pulls, des jupes. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais faire, donc c'est un futur projet, je vais faire un gilet pour enfants. Mais avant, donc je ne l'ai pas encore terminé, comme vous pouvez le voir, il est en cours. Mais je voulais vous présenter le point. Donc, vous expliquer comment réaliser le point qui me plaît vraiment énormément. Regardez s'il n'est pas sympa comme tout. Regardez. Et vous pouvez le tricoter avec n'importe quelle épaisseur de laine. Ça n'a absolument pas d'importance. Là, les tricopines, j'ai pris une laine. Donc, j'ai pris la Calinou de chez Bergère de France que j'ai doublée. Donc, j'ai pris deux pelotes. J'ai doublé et j'ai un résultat, regardez, épais comme celui-ci. Et là, regardez, je l'ai faite juste avec la Calinou. Et pour que vous ayez un autre aperçu avec une laine beaucoup plus fine, regardez, nous avons un résultat qui est très, très joli aussi. Donc, je voulais vous montrer. Ça, c'est la Calinou doublée. Celle-ci, c'est la Calinou toute simple, donc notre pelote. Et maintenant, je vais vous expliquer le point avec une laine moyenne, regardez, qui se tricote en 4, 4,5. Donc moi, je vais le tricoter en 4 pour vous expliquer comment réaliser ce point. Alors, ce point, les tricopines, est très simple. Ce sont des multiples de 8. Vous allez monter 8, 16, 24 et ainsi de suite en fonction de la longueur que vous désirez. Donc ce sont des multiples de 8 plus 6. Donc vous allez monter 8 mailles pour le point plus 6 mailles. Donc c'est en décalant ces mailles que nous obtenons ce joli résultat, les tricopines. C'est vraiment très très simple. Donc, moi, pour vous montrer, j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça fait 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 mailles. Donc, j'ai monté 38 mailles pour vous montrer, donc pour faire un échantillon. Alors, nous allons tricoter notre premier rang à l'endroit, les tricopines. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez ne pas le faire aussi et passer directement au point. Notre point se fait sur 8 rangs, les tricopines. 8 rangs, mais vous allez voir, c'est que des répétitions. C'est très, très, très facile à tricoter. Vous allez être assez surprise de voir comme c'est simple et vous avez vraiment quelque chose de très original. Donc, moi, je tricote un rang comme ceci à l'endroit. Vous pouvez ne pas le faire, les tricopines, et passer directement au point. Comme ici, regardez, pour la future veste, c'est pareil. Regardez, j'avais fait un rang comme ça, deux rangs, pardon, à l'endroit. Et après, je commence à faire le point. Donc, ça, c'est facultatif.
Donc, je vous ai dit, ce sont des multiples de 8 plus 6. Si vous montez 16 mailles, par exemple, 8 plus 8, 16, plus 6, ça vous fait 22 mailles. Donc, c'est comme ça qu'il faut calculer. Donc, je tricote ce rang aussi à l'endroit, les tricopines. Et après, on va passer à un autre point fantaisie, le point accordéon. Donc, dans un futur tuto, les tricopines, je prépare la veste. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour ne pas vous ennuyer avec ça, les tricopines. J'aurais dû le préparer à l'avance, mais bon, je voulais vous le montrer. Nous faisons deux rangs à l'endroit. Si vous voulez, vous pouvez monter vos mailles et passer directement au point fantaisie que je vais vous expliquer tout de suite. Et comme je l'ai dit, je me répète, vous allez voir que c'est vraiment, vraiment très, très simple. Et j'ai adoré vraiment le résultat. Voilà. On arrive donc à la fin du rang. Voilà. Maintenant, pour passer à notre point fantaisie, les tricopines. Alors, nous sommes sur l'endroit. Regardez, j'ai mon fil qui est ici, mon bout de laine qui est à droite. Donc là, je vais considérer que c'est l'endroit de mon travail. Si je vais tricoter 6 mailles à l'envers, les 6 premières mailles ainsi que la maille lisière, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tricoté 6 mailles à l'envers. Maintenant, les tricopines, je vais tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, donc 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles à l'endroit, donc 8 mailles à l'envers. On commence avec 6 mailles à l'envers. Et on continue avec 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 8 mailles à l'endroit. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin de votre rang, les tricopines. En fonction du nombre de mailles que vous aurez montées, vous allez continuer à tricoter 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers, jusqu'à la fin. Donc, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Donc, très important de terminer avec 8 mailles à l'envers ou 8 mailles à l'endroit en fonction du nombre de mailles que vous allez faire, les tricopines. Voilà, ça c'était notre premier rang. 6 mailles à l'envers, alors ça c'est très important. 6 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Le deuxième rang, les tricopines, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire, regardez, mes mailles, elles se présentent à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Donc, je vais avoir 8 mailles à l'endroit. Huit mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers.
maille donc à l'envers et je vais faire 8 mailles à l'endroit. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent, je ne vais pas vous ennuyer et je vais aller assez vite. Donc le deuxième rang, c'est l'envers que nous sommes en train de tricoter. On tricote nos mailles comme elles se présentent. Et on termine notre rang avec 6 mailles à l'endroit. Parce que nous avions commencé avec 6 mailles à l'envers. Et là, on termine le deuxième rang avec 6 mailles à l'endroit. Donc le troisième rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Donc 6 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit. Mon aiguille tape sur la table, voilà, je vais faire comme ceci. Donc on continue à tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est notre troisième rang. 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers. Et je continue, 8 mailles à l'endroit, 'est aussi simple que ça les tricopines, vraiment, vraiment, vraiment. Par contre, il faut faire un certain nombre de rangs pour que le modèle commence à se former comme ceci, regardez, à former des accordéons. Donc si au bout de 4-5 rangs, vous n'avez pas cet effet-là, ne vous inquiétez pas. Vous ne vous êtes pas trompé, vous continuez et c'est en continuant, en ayant fait une petite longueur que vous allez voir, le point va commencer à se former, c'est-à-dire l'accordéon va se plisser, on va dire. Voilà, et voilà. Donc, le quatrième rang, je suis sur l'envers. Pareil, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je tricote, regardez mes mailles comme elles se présentent. J'ai 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers, 4e rang, nous sommes sur l'envers et on tricote nos mailles comme elles se présentent. 8 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit. Voilà. Maintenant, les tricopines, nous sommes au cinquième rang. Donc, nous avons ceci et nous sommes au cinquième rang. Au cinquième rang, il va y avoir un changement. Ici, regardez. Nous allons faire 8 mailles à l'endroit. Vous vous souvenez, là, c'est notre cinquième rang et on fait 8 mailles à l'endroit, très important. 4, 5, 5, 6, 7, voilà. 8 mailles à l'endroit, au cinquième rang les tricopines. Après, nous allons faire 8 rangs à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs à l'envers. Nous allons faire 8 rangs à l'endroit. Donc, peu importe les mailles, comment elles se présentent en dessous, ça on s'en fiche. Nous, on fait 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, donc 6, 8 mailles à l'endroit, 8 mailles, 1 à l'envers, 3, 4, 5,
6, 7, 8 mailles à l'envers. Là, les tricopines, le point important, nous avons commencé avec 8 mailles à l'endroit. Et on va terminer avec 6 mailles à l'endroit à la fin. Mais en fonction du nombre de mailles, ça peut varier les tricopines. Donc, ça n'a pas d'importance si vous terminez avec 6 mailles à l'endroit ou à l'envers. Ce qui compte, c'est qu'il faut que vous terminiez avec 6 mailles à la fin. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait vos 6 mailles à l'envers, par exemple ici, une fois que vous avez fait vos 8 mailles à l'envers, il faut que vous ayez 6 mailles à l'endroit. Si vous, vos dernières mailles correspondent à des mailles envers, si ça vous fait 8 mailles envers, 8 mailles à l'endroit, par exemple, vos 8 dernières mailles, si ce sont des mailles à l'endroit, si vous avez 8 mailles à l'endroit, il faut que vous terminiez avec 6 mailles à l'envers. Voilà. Tout le secret de ce point est là, les tricopines, c'est décalé. C'est-à-dire, ici, nous avions commencé avec 6 points au premier rang, 6 mailles à l'envers. Au cinquième rang, nous faisons 8 mailles à l'endroit. Maintenant, au sixième rang, on va continuer à tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc, nos mailles à l'envers, on les tricote à l'envers. Là, moi, je vais me retrouver avec 6 mailles à l'envers. 8 mailles à l'endroit. Huit mailles à l'envers. Par contre, au sixième rang, les tricopines, nous allons absolument terminer notre rang avec 8 mailles à l'envers. Parce que nous avions commencé notre rang avec 8 mailles à l'endroit. Et regardez, mes 8 dernières mailles sont à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, le septième rang, les tricopines, on tricote nos mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire 8 mailles à l'endroit. 8 mailles à l'envers. 8 mailles à l'endroit. 8 mailles à l'envers. On tricote nos mailles comme elles se présentent, les tricopines. Et on termine avec 6 mailles à l'endroit. Donc, au huitième rang, nous allons tricoter toutes nos mailles comme elles se présentent. Donc, moi j'ai 6 mailles. 8 mailles à l'endroit. 8 mailles à l'envers. Donc on tricote nos mailles comme elles se présentent. Voilà, les tricopines, c'est aussi simple que ça. C'est tout. Et on va répéter ces 8 rangs.
et je termine avec 8 mailles à l'envers. Et j'ai terminé pour mon point fantaisie les tricopines, donc il se fait sur 8 rangs. Maintenant, nous obtenons quelque chose comme ceci, mais on ne s'alarme pas, c'est normal, regardez si le point ne se forme pas tout de suite. Il va se former en faisant encore quelques rangs. Maintenant, les tricopines, on reprend au rang numéro 1 ici. Donc, on va faire 6 mailles à l'envers avec la maille lisière. On compte notre maille lisière, donc 3, 4, 5, 6. Nous allons faire 6 mailles à l'envers. On reprend donc au rang numéro 1. 8 mailles à l'endroit, 8 rangs, donc on compte 8 rangs à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 8 rangs à l'endroit, 8 rangs à l'envers, 7, 8 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on va terminer avec 8 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà les tricopines, nous avons terminé pour notre point fantaisie. Il est aussi simple que ça. Donc, vous reprenez ces 8 rangs. Donc, maintenant, nous avons repris au rang numéro 1. Le rang numéro 2, nous sommes sur l'envers et on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Le rang numéro 3, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'envers, on les tricote à l'envers. Les mailles à l'endroit, on les tricote à l'envers. Le quatrième rang, on fait exactement la même chose. On tricote nos mailles comme elles se présentent. Le cinquième rang, nous allons faire... Nous allons commencer par 8 mailles à l'endroit. Cinquième rang, 8 mailles à l'endroit. 8 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers. Très important de terminer avec 6 mailles à l'envers. Quand on commence avec 8 mailles à l'envers, on termine avec 6 mailles à l'envers les tricopines. Quand on commence avec 6 mailles à l'envers, on termine avec 8 mailles à l'envers. Donc si on commence avec 6 mailles, on termine avec 8 mailles. Si on commence avec 8 mailles, on termine avec 6 mailles. Donc l'autre cinquième rang... Le sixième rang, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Le septième rang, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et ainsi de suite. Et après, quand vous êtes arrivé à votre huitième rang, hop, vous reprenez du rang numéro 1 et ainsi de suite. Et voilà les résultats que vous allez obtenir, les tricopines. Vraiment, c'est très plaisant à tricoter, par contre, il faut tout le temps compter, mais à un moment, vous allez voir, quand vous allez comprendre le mécanisme, vous n'aurez peut-être même plus besoin de compter. Donc, je vous montre avec différentes laines. Ça, c'est une laine, donc c'est la Calinou doublée, puisque je voulais avoir une épaisseur pour faire un gilet. Ça, c'est la Calinou, regardez, pour les bébés, simple, que je n'ai pas doublé, regardez. Le résultat est vraiment très sympa aussi. Et là, c'est une laine intermédiaire. Donc là, il faut tricoter encore quelques rangs pour avoir le point qui va commencer à se former. Donc, vous voyez là, on commence à avoir les petits traits qui vont former notre accordéon ici. Regardez. Comme ceci. Voilà les tricopines. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous aimez bien que je vous présente des points de tricot, donc n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça, quand j'ai vraiment des points comme ça, très originaux,
des points originaux qui me plaisent énormément, je vais vous les présenter. Et ce sont des points donc très très simples. Je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel. Les tricopines, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très très vite pour la suite.